Merci. Merci à tous. En avant, en marche. Bonjour, mon big spot. Est-ce que les vacances se passent bien? Tranquille. Bonjour à tout le public. Et bonjour chez vous, One Step Beyond, un pas après l'autre, une marche après l'autre. Et en ce moment, l'on fait une étude pendant tout l'été sur la marche. On essaye de savoir laquelle des quatre marches qui sont ici parfaitement identiques, laquelle plaît le plus au public et aux Français. Alors, s'il vous plaît, je vais avoir besoin de vous et de mon ami Beachpot, si présent. Beachpot, tranquille. Étude de la marche, nous avons ici une première marche. Applaudimètre, bonjour mon ami de la culture et bonjour mon ami de l'applaudimètre. Bonjour ami Jean-Luc. Ami Bariton, première marche, popularité, applaudimètre. Le score oh, 4 sur 10, hein. Peut mieux faire. Deuxième marche maintenant, applaudimètre. Le score 6 sur 10. Pas mal. Troisième marche. Le score 8 sur 10. Et enfin, Big Spot. One Step Beyond, l'ultime marche. Attention, applaudissements. Eh bien, oui. Carrément 10 sur 10. Effectivement, la dernière marche, l'ultime marche, l'un d'entre eux va la gravir, va y monter. Pour moi, personnellement, c'est exactement la même chose. La quatrième marche a toujours été celle que je préférais, car c'est là, maintenant, que j'accueille nos invités. Accueillons tout d'abord Nadège. Oh, le beau bébé. Ah, ça, c'est un bébé. Oui. C'est un bébé. C'est un beau bébé. Hein? C'est pendant combien de temps? Regarde, on peut vous mettre juste de profil. C'est pendant combien de temps? Un mois. Un mois. Oh là là, c'est beau. Ça va être un garçon ou une fille? Une fille. Une fille. Qui va s'appeler? Noémie. Noémie. Nadège et Noémie sont parmi nous à midi. Attention, une marche après l'autre. Vincent est parmi nous. Salut Jean-Luc. Ça va? Ça va Nicolas? Bien, bien. Ouais. Les enfants, vous? Pour bientôt, ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire pour très bientôt, vers septembre. C'est pas vrai. Voilà. Vers septembre, vous allez avoir un enfant? Début septembre, ouais. Mais c'est bien, et comment va-t-il s'appeler? Secret. On sait même pas si c'est une fille ou un garçon. Bon, eh ben, écoutez, un futur papa parmi nous. Accueillons Linda. Linda. Ouais. Hey. Des enfants, Linda? Oui, deux. Deux enfants qui s'appellent? Alors, Émilie qui a 9 ans et Gilles qui a 2 ans et demi. Émilie et Gilles. Oui, et Gilles, ouais. Eh bien, écoutez, bienvenue à Linda et enfin, je vous demande d'accueillir Sydney. Oh, quelle arrivée. Bonjour, Sydney. Des enfants, quant à vous? Non, pas encore. Pas encore. Mais ce n'est pas grave, ça arrivera. Mes amis, bienvenue dans l'univers d'attention à la marche. Ah, mon Dieu, petite connaissance, Nadège, on l'envoie une petite carte postale en France. Dans le Nord, à Éther. À Éther, oui. D'accord, les origines sont de là-bas. Oui. Le Nord est parmi nous. Vincent, on envoie la carte postale à... Dans la Marne, à Vitry-le-François, c'est mes souches, donc là-bas. Les souches, la Marne est parmi nous. Linda, on enverrait la carte postale à... Alors, au Portugal, donc à Lisbonne, parce que j'ai la famille adoptive qui va en vacances là-bas. Donc, d'accord. Ils ont de la famille aussi là-bas. D'accord. Et vous-même, vous êtes... Non, je sais pas. Enfin, moi, de Bourré, oui, je suis du Loir-et-Cher. Du Loir-et-Cher. Mais ma famille, je sais pas. Vous savez pas? Voilà, non, j'ai ma famille. Vous ne connaissez pas? Non, non, je connais pas. Et vous avez construit, vous, une famille, alors? Ah oui, j'ai un mari adorable, donc... Il est là? Oui, il est là. Bonjour, bienvenue. Et à droite, c'est votre fille? C'est ma fille, Émilie, oui. Eh bien, écoutez, vous formez une très, très belle famille. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Et vous, Cindy, la carte postale? À Saumur. Saumur? Oui, à mon frère. À mon frère, oui. À Saumur. Eh bien, bonjour, Saumur. Et puis, bonjour à nos potes qui sont parmi nous au quotidien. J'envoie le bonjour tout souverain au souverain sportif de la connaissance, le souverain pontife, mon ami Bariton la culture. Bonjour. Bonjour. Ah,
première question, destination amoureuse. Linda, si une destination amoureuse pour vous, s'il y en avait une Ah bah, je retournerai certainement en croisière, mais sinon, parce qu'on s'est payé une croisière avec mon mari pour nos 10 ans de vie commune. Oui. Mais sinon, on part souvent à La Rochelle, on laisse les enfants, et, parce que mon mari, je le vois très très peu. Mm-hmm. Donc, on part souvent en week-end. Vous laissez ça. Les enfants À la mamie. À la mamie. Oui. Et nous, on laisse les gondoles À Venise. À Venise. Ouais. Vous voyez, Bariton, certains laissent les enfants à mamie, nous, on laisse les gondoles à Venise. Bien sûr, Jean-Luc. Sur 100 Français, combien considèrent que Venise est la destination idéale pour passer un week-end en amoureux? Nadège, Venise, vous connaissez? Oui. Alors? C'est très joli. C'est beau? Oh oui. Et alors, souvenir là-bas, amoureux aussi? Non, j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, mais j'y retournerai avec mon mari. Bien. C'est le premier enfant, Noémie? Deuxième. Deuxième? J'ai déjà un petit garçon, Mathéo. Mathéo et Noémie. Oui. Bien. Vous avez répondu, Nadège? 84. 84, très bien. Vincent? J'ai mis 32. 32. Vous, la destination, programme idéal, destination, Vincent C'est le tour du monde, je pense, la où destination, ouais, comme ça, c'est pas plus mal. Modeste. Il y en a pour certains, Venise, vous, tour du monde. Voilà. C'est bien, c'est très vrai. Bien. Linda 47, oui. 47% considèrent que Venise, bien. Cindy a répondu 45. 45. C'est un petit accent quand même, hein? Oui. Vous venez d'où? De Toulouse. Vous venez de Toulouse. Ah d'accord. Oui. Précisément Toulouse ou... Non, le Vernet. C'est entre Toulouse et l'Ariège. Entre Toulouse et l'Ariège. Voilà. Eh bien écoutez, c'est un petit accent bien sympathique, ma foi. Et les Français ont répondu que Venise était à 71% la destination idéale. Nadège a le sourire. Heureuse future maman et déjà maman. Bien, nous allons opposer malheureusement Vincent pote dehors. Mais la question suivante est une question sportive et nous avons un grand sportif effectivement dans notre équipe. Il s'appelle Romain et c'est son anniversaire aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Romain. Romain, s'il vous plaît. C'est son anniversaire. Et donc, on va dire juste, tu t'occupes de tout le public. Voilà. On explique quand même qu'il y a toujours le 0825 03 02 01 pendant tout l'été. Voilà, exactement. Et tout le monde peut venir s'inscrire pour participer à l'émission. Et voilà. Et Romain, je vous le dis, il gère vos appels au public. Et je trouve qu'ils font une équipe extraordinaire avec Marina. Ils vous invitent, ils vous reçoivent. Vous serez bien reçu par Romain et Marina. Merci beaucoup, Romain, et bon anniversaire. Je peux me permettre de te remercier. Quel âge as-tu, alors 32 ans. Eh bien, écoute, tu les fais pas. Bah, merci. Tu envoies le bonjour à ton coiffeur. Salut. Bien, Romain est un grand sportif pour gérer, bien sûr, tout le public. La question suivante est une question sportive. Écoutez-la. Quel est le record de médailles d'or obtenu par un seul athlète lors d'une même édition des Jeux Olympiques? Ça mord ou ça mord pas? Ça mord pas terrible. Hein, Vincent, sport ou pas sport? Ouais, foot. Foot? Ouais. Football, bien. À la maison, vous êtes sportif dans quelle activité La télécommande, le doigt. Le doigt, ah oui. Pas mal. Oui. Je comprends, Vincent, merci. La réponse que vous avez... 5. 5 médailles d'or. Bien. Linda, vous avez répondu. 6. 6 médailles d'or. Cindy, vous seriez championne de quoi à la maison, vous? Moi, je suis très maniaque, mais je lave mes chats. Vous lavez vos chats? Oui, je leur brosse les dents, je leur nettoie les oreilles, je les douche.
Vous brossez les dents des chats? Bien sûr. C'est-à-dire? Eh bien, ils ont une brosse à dents chacun, puisque j'en ai trois. Vous avez trois chats qui s'appellent? Matou, Gribouille et Canaille. Alors, je me permets d'intervenir, car il n'est pas très bon de laver un chat, il sait le faire lui-même, parce que son poil sécrète de la vitamine D, et lorsqu'il se lave, il lèche la vitamine D et ça le calme. Bon, vous, là, pour l'instant, il vous reste vos deux zizi. Vous les avez baptisés déjà, non? Non. Non, d'accord. Alors, les zizipodes sont là, vous avez répondu si... Cinq. Cinq médailles d'or obtenues par un même athlète. Nadège, quant à vous, vous seriez championne à la maison... De ranger les affaires que mon mari laisse traîner. Il est là, le mari? Oui. Et d'accord. Et bonjour, monsieur, vous appelez? Jérôme. Jérôme. Ah, c'est Jérôme. Bonjour, Jérôme. et Jérôme, alors on laisse un peu le... Comme un petit peu... C'est un petit peu beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'il laisse traîner? Bah, disons qu'il change souvent d'habit. Oui. Il a tendance à ne pas mettre dans le bac à linge sale les habits sales. Donc, c'est un peu la course. Vous ferez un effort, Jérôme? Oui. Oh, vire. Nadège, vous avez répondu? Trois. Ah, trois médailles. Oh, c'est un record. C'est un record d'après le livre des records. Nous sommes d'accord, mon ami de record. D'accord? Bien d'accord. Sûr, je suis d'accord. D'accord. Et alors, celui-ci s'appelle... Il s'appelle... C'est le nageur américain du nom de Mark Spitz, qui, lors des Jeux Olympiques de 1972 à Munich, a remporté sept médailles d'or. Il a remporté sept médailles. Et Linda! Mais oui, Linda! Le Loir-et-Cher est ravi. Et Nadège perd un pote dans le Nord. Mais heureusement, reste avec nous. Ce ne sont pas des paroles, c'est la réalité. Question suivante. En moyenne, combien de fois par semaine un homme dit à sa femme... Laisse, je m'en occuperai plus tard. Linda, vous avez répondu? On va voir. 14, je crois. Combien de fois par semaine? Ouais, ah ça, oui, 14 fois par semaine. Ouais, j'ai tapé haut, je sais. J'en suis rendu compte après. Cindy! Oups! Cindy! Cindy! Moi, j'ai répondu 86. Parce que c'est tout le temps. Qu'est-ce que c'est, ce truc? C'est-à-dire? J'ai un homme qui me le rabâche à longueur de journée. C'est pas vrai? Si. Ah oui, non, mais parce que... C'est une catastrophe. Ah non, d'accord. Ah ouais, tout le temps. Je vais le faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Il est pas là? Non. Il est resté à Toulouse, oui. Au Vernet? Et ouais, il travaille. Et ouais. Nadège! Donc, j'ai répondu 10. Vous avez répondu 10 fois par semaine, un homme dit à sa femme. Jérôme, on pense au bac à linge sale. Là. Ok, on y pense, hein, on y pense. Vincent! J'ai répondu 8, ouais, c'est pas trop souvent. Ouais. 8, Vitrille François, oui. Oui, ça devrait. La réponse, en moyenne, les Français, selon notre institut de sondage, la réponse est de... 3 fois, eh bien, Vitrille 3 fois. Bravo, Vincent! Cindy, vous perdez le zizi. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a une personne connue comme ça qui vous fait littéralement fantasmer? Ah oui. Il y en a une. Ah oui. Ah, oui. Richard Gir. Richard Gir. Ah ouais. Vous craquez complètement. Je le croise ou je le croque, hein? Je le croise ou je le croque. Et par exemple, une que vous ne voyez pas du tout en train de faire des câlins, mais alors, vous voyez l'image des câlins, de faire l'amour. Schwarzenegger, je ne le vois pas, lui. Vous ne le voyez pas du tout faire l'amour? Non. Pas du tout. J'aurais peur qu'il m'écrase. Franchement, vous avez vu la masse que c'est? Oui, non, mais d'accord. Il y a quelqu'un, Linda, où vous ne voyez pas du tout cette personne en train de faire l'amour avec une autre personne? Non, peut-être Carlos. Mais Carlos sinon... qui nous regarde tous les midis. Ouais, bonjour, Carlos. Papayou, papayou. Il y a quelqu'un qui vous fait littéralement... Moi, j'aime bien Gérard Lanvin. Ah, Gérard Lanvin. Oui, je trouve assez... Ouais. La question coquine va nous parler de fantasmes. Sur 100 hommes, combien
ont déjà fantasmé sur les femmes politiques françaises? Exemple de femme politique, Edith Cresson. Par exemple. Michel Alliomari. Oui, Roselyne Bachelot. Margaret Thatcher. Oui. La femme de Monsieur le Socialiste. Ségolène Royal. Oui. Ah oui. Hein? Hein? Oui. Tout à fait, Jean-Luc. Enfin bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop gâtés en France. Vincent a répondu. Ah, du coup, je me suis peut-être un peu planté, j'ai mis 50. 50 Linda. Moi, j'ai répondu 9. À 9 oui. 9, ouais. L'homme politique français qui vous ferait... Enfin, j'en ai aucun, sincèrement. Aucun? Ah ouais, non, ça me... Cindy, il y a un... Vous, Toulouse, vous avez... Pas de... Non, ils sont laids, franchement. Ils sont laids. Ouais. Vieux, laids. Les hommes politiques sont vieux et laids. Je préfère ceux des États-Unis à la rigueur, je trouve qu'ils ont plus de carrure. Ah bon, d'accord. Ouais, je sais pas. Le... Ah ouais, mais de Bush... Non, lui, non. Ah lui, non, pas lui. Non, pas lui. Non. Faut pas aller chercher les extrêmes, non. Oui, non plus. Vous avez répondu, vous, Cindy? 10. 10. Ah, 10. Ils sont assez heureux dans le public. Nadège, les hommes politiques, vous, hein, qui vous feraient plus qu'un autre... Non, c'est pas des sex symboles. Hein. C'est pas des sex symboles. Oui, Nadège a répondu. 19. 19. Et sur 100 hommes, combien ont déjà fantasmé sur les femmes politiques françaises? Eh bien, avec 14, Toulouse, Le Vernet est heureuse, proche de l'Ariège. Et malheureusement, à ce stade de la compétition, l'on perd notre ami de Vitry-le-François. Mais cet été, vous penserez à nous, car vous prendrez votre douche en écoutant la radio grâce à cette radio de douche. Super. La question suivante est très sérieuse. Selon l'Union française pour la santé bucco-dentaire, combien d'espèces différentes de bactéries vivent en permanence dans notre bouche? On parle d'espèces différentes. Alors ces bactéries se nourrissent des restes de repas et de salive et elles transforment les sucres contenus dans les aliments en acides, ce qui attaque l'émail des dents et provoque les caries. Et oui, obligatoirement. Nadège, le Nord vous regarde. Oui. Vous répondez ? 65. 65 espèces différentes de bactéries. Linda, le Loir-et-Cher et le Portugal vous regardent. 55. 55 espèces différentes de bactéries. Cindy ? J'ai dit 55. Aussi ? Oui. Eh ouais ? Bien. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et en fait, la réponse est de... Premier toupil sous le soleil de midi. Et ce toupil est empoché par... Nadège, oui ! Bravo, Nadège. Petit cadeau, beau cadeau. Nadège, il y a une console de jeux vidéo. Ou Nadège, il y a un hamac beige. C'est bien aussi pour la sieste. Rose ou bleu? Comme c'est une petite fille, la rose. Comme c'est une petite fille que vous attendez, c'est la rose. Est-ce le beau cadeau, la console de jeux vidéo? La réponse est... Aïe! Super. Jusque-là, tout va bien sous le soleil de midi. Nous faisons les comptes. Ah oui, alors Linda et Cindy, vous en étiez où dans les potes? J'en avais deux. Vous en aviez deux, Linda, et vous n'en aviez plus qu'un. Et malheureusement, Cindy va nous quitter. Mais en revanche, mes amis, Linda va monter sur la marche suivante. Et elle sera aux côtés de Nadège. Cindy, vous repartez au Vernet, proche de l'Ariège et de Toulouse, pour être venue à la télé avec une télé. Elle fait 37 cm et elle est pour vous. Merci à vous de votre sourire. Bel été sur TF1. Merci. Et ben, bienvenue à tout le monde pour la suite de notre émission. Ça va pour toi là-dedans? Tout va bien? Alors Linda, votre mari se prénomme Denis. Oui. Il s'appelle Denis.
Pour vous, j'ai une question à vous poser. Le défaut, en général, des hommes, ils sont... Un peu hypocrites. Hypocrites. Oui, un petit peu, ouais. C'est un peu hypocrite, les hommes. Un peu hypocrite, je pense, oui. Ah, d'accord. Mais... D'accord. Non, sinon, je critique pas, non. Oui. Pas... Le défaut des femmes, en général... La jalousie. La jalousie. Ouais. Non, non, mais je pose la question. Nadège, donc, votre époux se prénomme Jérôme. Oui. Bon, on sait que lui ne range pas ses affaires sales, mais il va s'arranger. Oui. Mais en global, le défaut des hommes... Égoïste. Ils sont égoïstes. Et le défaut des femmes... Maniaque. Maniaque. Oui. Ah, j'ai oublié le téléphone, excusez-moi. Eh oui, excuse-moi, c'est vrai. Riverpot, le numéro de téléphone, donc si vous voulez gagner 1000 euros, vous le savez, 0-800-97-66-4000. 0-800-97-66-4000. Je te remercie, Riverpot. Merci. Arrête, c'est bon. Merci, Riverpot. Et le SMS pour Riverpot, et bien sûr, M-A-R-C-H-E, au 62-500. Merci, Riverpot, qui tient le standard aujourd'hui. 1000 euros à gagner sur TF1 tous les jours grâce à ce numéro de téléphone. Première question, donc, sur 100 femmes, combien connaissent le défaut que leur conjoint déteste le plus chez elles? C'est à vous, Linda, oui, voilà, de commencer. Oh ben 67. Hein. 67 connaissent le défaut que leur conjoint, d'accord. Vous, le défaut qu'il vous reproche, Nadège? De continuer de parler de mon travail en rentrant le soir. Quel genre d'activité professionnelle? Donc, je suis fonctionnaire territoriale, je m'occupe de la comptabilité dans un OPHLM. D'accord, donc ça ne doit pas être évident. Voilà. Fonctionnaire territorial. Oui. Jeu du plus ou jeu du moins, Nadège? Je dirais plus. Vous diriez plus. Selon notre institut de sondage Fort Sérieux, les femmes françaises ont répondu 72. C'est un peu plus. Et Nadège qui prend le dessus. On va parler fromage, laitage. Pour choisir un bon fromage, votre référence, Linda, est... Moi qui sente assez. J'aime quand il est fort. Quoi. C'est le critère. Oui, j'aime bien, oui. Vous, Nadège? Alors moi, je suis anti-fromage, mais alors mon mari, ça serait pareil que Linda. C'est au plus ça sent, au mieux c'est. Au plus ça sent, au mieux c'est. C'est pour ça qu'il faut ranger son linge sale dans la corbeille. Je dis ça comme ça, Jérôme. En moyenne, combien de litres de lait, puisque nous parlons de laitage, boit un Français? Combien de litres, mais chaque année? Nadège, chacune votre tour. 50. 50, une moyenne. Oui. J'aurais un peu plus. Un peu plus pour Linda. Et est-ce plus? Eh bien oui, 67, Linda, ça va bien. Linda, prochaine question, mariage, la demande en mariage. Oh ben non, ça s'est fait à la maison parce que donc on avait déjà 6 ans de vie commune avec mon mari, ma fille avait 4 ans, donc ça s'est passé simplement, il m'a demandé, il est temps qu'on officialise les choses. Puis d'accord, voilà. Non, c'était... Demande en mariage, Nadège? Oui, on se promenait, c'était la Saint-Valentin, donc on a décidé de se marier, voilà. C'est mignon, le jour de la Saint-Valentin. Prochaine question. En musique. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Alors, un petit peu de culture, mon ami. Verlaine, certes, mais il y eut une idylle. On peut le dire? Effectivement. Elle était officielle. Il y eut une idylle entre Verlaine et Rimbaud. Deux ans. Une idylle de 1871 à 1873. Ah, deux ans? Oui. Ah, deux ans d'idylle. Au terme de laquelle Verlaine tire sur Rimbaud qui venait de rompre. Bon, fort heureusement, il ne l'a que blessé. Et la question est, combien d'années séparent les naissances de Verlaine et de Rimbaud? Question point évidente, mais somme toute culturelle. Linda. 20 ans. 20 ans séparent les naissances de Verlaine et de Rimbaud. Nadège plus, Nadège moins. Je dirais moins. Vous diriez moins. La réponse est ce moins?
10, c'est moins. Oui, Nadège, tout va bien. La question suivante nous dit sur 100 femmes, combien rêveraient de se faire enfermer toute une nuit dans un magasin de vêtements? C'est Nadège qui répond. Toute une nuit sur 100 femmes, selon notre institut de sondage. 64. 64. Linda? Non, un petit peu moins. Un petit peu moins pour Mrs. Linda. Les Françaises ont répondu... Ah, 34, c'est moi. Oh là là, Linda! Et... Égalité parfaite, vous l'avez compris, vos potes, aussi bien notre super pote que représente Nadège, que Roller Pote, qui est en dessous de Linda, sont à égalité. Il va donc falloir vous départager. Dernière question ultime. Arrivons à bon port avec celle-ci. À combien de kilomètres du continent se dresse le phare le plus éloigné des côtes européennes? 150. 150 kilomètres. Nadège. Je dis moins. Vous dites moins. Nadège et Linda, la réponse sera après la pub. A tout de suite. Mais nous revenons! Question phare en compagnie de deux femmes charmantes à midi sur TF1. Linda d'un côté et Nadège de l'autre. Mesdames, la question posée était la suivante. À combien de kilomètres du continent se dresse le phare le plus éloigné des côtes en Europe? Linda a répondu 150 kilomètres. Vous avez répondu, Nadège, moins. Vous allez être maman au mois de septembre pour la deuxième fois d'une petite Noémie. Sous les yeux de votre mari, Nadège... Alors Jean-Luc, avant la réponse, je vais quand même dire qu'il s'agit du phare de Roche-Douvres au large des côtes d'Armor. Est-ce moins de 150 kilomètres à 23 kilomètres? C'est Nadège qui va monter sur l'escalier. Elle s'embrasse, c'est beau. Un gros bisou. Jérôme est ravi. Linda, désolé, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir avec vous à midi. Il fera toujours beau cet été sur TF1 entre midi et 13h. Et il fera beau aussi parce qu'on vous offre une station météo qui fait téléphone. C'est un météophone. D'accord, pour vous. Merci. Et bienvenue à Nadège sur l'escalier. Jusque-là, tout va bien. Oui, très bien. Vos deux enfants, Noémie et Mathéo, sont très fiers de leur maman. Nous vous offrons bien sûr 250 euros pour la petite famille réunie. Et nous montons sur la première marche. Nous allons parler d'un certain chapeau. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à pain pour rigolo. Lorsqu'un joueur réalise le coup du chapeau au foot, il marque combien de buts d'affilée lui-même? Deux ou trois? En fait, c'est tout simple, le coup du chapeau... Qui en anglais s'appelle the hat trick. Ah, the hat trick. Hat trick. À votre avis, vous avez un petit peu de chance sur cette première? Non, au hasard, deux. Deux ou trois, le hat trick, nous en apprenons chaque midi sur TF1. Le coup du chapeau, ce sont... Salut Billy the Pot, je t'ai reconnu. Ce sont... Ah non, trois buts d'affilée, malheureusement. The hat trick, c'est le coup du chapeau. Je rapporte tous les jours. On garde voilà. Bien sûr les 250 euros acquis. Ça va faire plaisir à Billy the Pot. Billy the Pot, je pense que tu es là. On va mettre une musique, rien que pour toi. Allez, vas-y, non. Vous pouvez monter sur la marche suivante. Nous allons parler des cavaliers. Aux échecs, le cavalier se déplace de 3 ou de 4 cases. Alors,
c'est pas non plus ma tasse de thé. Ce n'est pas les échecs, non, non. Petit jeu de société, non, de temps en temps. Les dames. Les dames. Donc, jeu de loi. Le jeu de loi. Je dirais 4. Vous diriez 4. Oui. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent, bien sûr, composer le 0-800-97-66-4000. Vous le savez, il y a jusqu'à 1000 euros en fin d'émission. Ruez-vous sur le téléphone. Sont-ce 4 cases, comme vous l'avez affirmé, aux échecs, le cavalier se déplace de... Eh non, 3. 250 euros que nous gardons tout de même, qui sont acquis, et nous allons parler de télévision à la télévision sur la marche suivante. Sainte-Claire, on en apprend tous les jours, Sainte-Claire est la patronne de la télévision. C'est cela, hein, mon ami Sainte-Claire? Absolument, c'est aujourd'hui. Ah oui, bonne fête à toutes les Claires, y compris à Claire Chazal. Bonne fête, madame. Sainte-Claire, donc patronne de la télé, depuis quelle année? 1958 ou 1988? Alors, c'est une lettre du pape qui la proclame patronne céleste de la télévision. Je dirais 1958. 1958. Et nous tendons l'oreille chaque midi sur TF1 pour savoir qui a déjà gagné 500 euros. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. C'est Annick. Annick, vous appelez de? Douvaine. Ça se situe? En Haute-Savoie. La dame de Haute-Savoie. Voilà, voilà, voilà. Vous avez gagné 500 euros, Annick. Ah ben merci, je suis super contente. Grâce au 0-800-97-66-4000. Voilà. Et après, c'est nous qui vous rappelons par un tirage au sort. Voilà, tout à fait. Eh bien, c'est très bien, Annick, de la Haute-Savoie. Voilà, quand je vais dire ça à mon mari, jamais il va y croire. C'est... Qu'est-ce qui fait votre mari? Ben, mon mari, il travaille dans une fonderie. D'accord. En Suisse. Dans une fonderie en Suisse? Ah bah oui. Et vous, Annick, vous faites dans la vie? Je suis assistante maternelle. Bien. Beaucoup d'enfants? 3. 3 enfants. Plus les deux miens. 5 enfants. Voilà. La Haute-Savoie, êtes-vous d'accord avec la réponse formulée et eux aujourd'hui par Nadet et je? Oui, ben je suis d'accord avec elle. 1958, oui, est-ce crois. Que cela va vous rapporter 1000 euros, Annick? La réponse est... Oui, Annick. Oh, 1000 euros, Annick. Oh là 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 là. Oh là là. Là. Sainte-Claire. Super, super, super. Et une semaine qui commence bien pour vous, Annick. Ah oui, oui. Je fais des gros bisous à Nadège. Merci. Et puis je dis aussi à son mari qui range aussi un petit peu son linge dans le paquet. Voilà, tiens. Hein? Très bien. Voilà, 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 voilà. Voilà, mais hey, merci Annick de me soutenir dans cette démarche. Voilà. Jean-Luc. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et moi aussi. Bon après-midi et bravo pour les 1000 euros. Public. Ça vaut le coup de téléphoner. Merci, Annick. Et pour vous, bien, c'est une acquisition de 500 euros dans votre besace que nous allons tenter de quintupler sur l'ultime palier à midi, sous le soleil de midi. Nous jouons aujourd'hui pour la somme de 2500 euros. Nous allons parler des sénateurs français. Pour combien d'années est élu un sénateur français? Ça semble à votre portée, ça va, Nadège? Moyenne d'âge d'un sénateur, 63 ans. Ah bah oui, je comprends. Président actuel, Monsieur Poncelet, et le Sénat se renouvelle par tiers. Première possibilité pour 2500 euros. Ils sont élus pour 3 ans, les sénateurs en France. Deuxième possibilité, Nadège. Ils sont élus pour 5 années. Ensuite, les sénateurs en France sont élus pour 7 ans. Enfin, ils sont élus pour 9 ans. Donc, j'hésite, est-ce 9 ans, donc 3, 3, 3.
Je dirais 9. C'est-à-dire, vous réfléchissez comment? Donc, comme c'est renouvelable par tiers. Oui. Il doit y avoir une histoire de 3, mais je ne sais plus. Ah, c'est renouvelable par tiers. Ah oui, 3, 6, 9. Et donc, il n'y a pas le 6, donc c'est soit 3, soit 9, c'est ça? Moi, je dirais 9 dans un premier temps. Ah oui, il y a eu peut-être un petit indice comme ça, disséminé par notre ami. On se retourne vers Jérôme. Jérôme, vous et vous seul, dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec votre épouse. Je ne serai pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Nous nous retournons donc pour l'ultime fois. Est-ce que nous validons définitivement 9? Je vais valider 9. Vous validez 9 alors que votre époux fait la super grimace. Première case que vous désirez dévoiler, Nadège. Bah, dans un premier temps, le 7. On verra. 2500 euros. La case se dévoile. Non, tout va bien. Bien. Deuxième case que vous désirez dévoiler. Le 3. Nadège, le 3. C'est renouvelable tous les 3 ans par tiers. 3, 3, 3. Ouais. 9 ans, les sénateurs en France. 2500 euros direct dans votre poche sans passer par les sénateurs ou les impôts. Net d'impôts, la réponse est... Une famille heureuse à la télé, merci. Je vous souhaite vraiment un très très joli bébé. Merci beaucoup. Chaque midi, eh bien, nous le disons et nous le clamons bien fort. Nous vous remercions de votre fidélité. Bon appétit et à demain mardi. Passer au bas de l'âme, sentir